Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui se connectent. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment, j'ai pas fait de live par ici. Donc, vous allez me donner quelques instants là. Donc, j'essaie de régler quelques petites choses ici. Et puis on va commencer. Crois que c'est bon. Alors, bonjour, bonjour à toutes les personnes qui sont là. Je vous souhaite les bienvenues à ce live. C'est vrai, ça fait longtemps que je ne me suis pas connectée. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très, très important. J'ai tenu à parler de cela aujourd'hui parce que il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent et me demandent. Et en fait, il y a des personnes qui ont une certaine mentalité qu'il faudrait qu'on change. Et je suis là pour vous aider à changer, à avoir la mentalité qu'il faut. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui me disent, voilà, Dacis, tu parles tout le temps de business, tu parles tout le temps d'argent. Oui, c'est ma passion en fait. Si vous avez, comme vous avez remarqué, j'aime le business, j'aime tout ce qui a trait à l'argent. Donc, aujourd'hui, on va parler, je vais vous dire, je vais vous montrer pourquoi est-ce que vous avez besoin d'argent pour accomplir votre vision. Je vais vous dire pourquoi vous ne pouvez pas accomplir de vision sans argent. Donc, si vous êtes là et que vous m'écoutez, je vous prie de partager la vidéo, d'inviter vos amis à écouter cette vidéo parce qu'on va parler des choses très, très intéressantes aujourd'hui. Donc, si vous m'écoutez, faites-moi un signe là que vous m'écoutez pour que je sache que le son passe bien et que tout se passe bien aussi. Et partagez aussi la vidéo autour de vous pour aider vos amis à travers cette vidéo parce que je suis sûre que là-dehors, il y a une personne, deux ou trois personnes qui auront besoin d'entendre d'écouter ce message aussi. Donc, partagez la vidéo au max dans vos groupes et invitez vos amis. Donc, vous allez me donner une seconde. Bonjour Chantal, bonjour Well, bonjour Moreau, bonjour Crépine. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Bonjour Gildas, bonjour, bonjour à vous. Donc, comme je disais, on va commencer. Coucou Gildas, comment tu vas? J'espère que tu vas bien de ton côté. Moi, ça va super bien alors. On va commencer sans plus perdre de temps. Je vous prie de partager la vidéo autour de vous. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura quelqu'un autour de vous qui en aura besoin. Et je suis que cette vidéo va aider quelqu'un. Donc, si tu es ici et que, comme le thème de la vidéo, de ce live l'indique, de cet enseignement l'indique, tu ne peux pas accomplir de vision sans argent. Tu ne peux pas accomplir de vision sans argent. Pourquoi est-ce que je dis que tu ne peux pas accomplir de vision sans argent? Parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent que s'ils ont eu à aider quelqu'un dans leur vie,
C'est cette personne-là qui va les aider à accomplir leur vision. Si tu es ici et que peut-être tu es étudiant et que tu penses que ce sont toujours tes parents qui doivent te donner l'argent pour que tu puisses faire quelque chose dans ta vie pour réaliser tes rêves, ce live est pour toi, cet enseignement est pour toi. Si tu es ici et que tu penses que tu as de grands projets à réaliser au niveau de tes finances et que tu ne sais pas comment t'y prendre, tu sais pas comment faire, ceci est pour toi, cet enseignement est pour toi. Je te prie de partager cette vidéo et de t'asseoir pour écouter cet enseignement parce que j'aimerais qu'à la fin de cet enseignement, tu puisses avoir une pensée renouvelée. J'aimerais qu'à la fin de cet enseignement, tu puisses comprendre, que tu apprennes quelque chose et que tu changes. C'est ça mon objectif. Donc, si tu es ici et que tu attends toujours, tu es toujours cette personne-là qui tend la main aux autres pour recevoir cet enseignement et pour toi. Parce que je crois que nous sommes en 2018 et avec l'Internet, avec la technologie qui a évolué, je pense que chacun devrait se battre, surtout les femmes. C'est vrai que je ne parle pas seulement aux femmes, je m'adresse aussi aux hommes, je m'adresse aux jeunes. En fait, je m'adresse à toutes les personnes entre 20 ans et, je sais pas, 50 ans, à toutes les jeunes, à toute la jeunesse en fait. Donc, si tu es ici et que tu penses toujours qu'il y aura des gens qui vont venir faire des choses pour toi, t'aider à réaliser tes rêves, ou bien si tu as eu à aider quelqu'un dans ta vie et que tu penses que la personne viendra te rendre ça, ceci est pour toi. Et je veux par là vous dire que si tu as une vision à accomplir dans ta vie, si tu as un rêve que tu veux réaliser dans ta vie, ça demande du sacrifice. Ça demande du sacrifice au niveau de ton temps, au niveau de la discipline, au niveau de tes économies, au niveau de ton environnement. On va commencer avec le temps. Ce que vous devez savoir, c'est que toutes les personnes, qu'elles soient riches ou pauvres, chacun d'entre nous a 24 heures par jour. Et ton succès, la réalisation de ta vision est relativement liée à la façon dont tu gères tes 24 heures. C'est ce que vous devez savoir. Et lorsque tu gères bien tes 24 heures, lorsque tu parviens à gérer tes 24 heures, tu constates un changement radical dans ta vie. C'est instantané. Tu ne vas pas me dire que tu vas dormir 9 heures, 10 heures de temps par jour et tu espères avoir le même résultat que celui qui dort, par exemple, 3, je vais dire 5 heures par jour. Tu ne vas pas me dire que tu passes ton temps sur WhatsApp, 5 heures sur WhatsApp par jour, et tu veux avoir les mêmes résultats que celui qui regarde juste ses messages WhatsApp, peut-être, je sais pas, pour 20 minutes ou quelques minutes, et s'en va. Tu vas pas me dire que tu passes ton temps sur Facebook, tu passes toute la journée sur Facebook à liker, et tu veux avoir le même résultat que celui-là qui est sur Facebook pour travailler. Il y a des gens qui considèrent Facebook comme leur bureau. Je dis merci à Facebook parce que grâce à Facebook, il y a des gens qui se font de l'argent, moi y compris. Donc, il y a des choses il y a des préliminaires que vous devez savoir lorsque vous voulez réaliser votre vision, lorsque vous avez un rêve à accomplir. Alors, tu as besoin pour commencer, pour réaliser une vision. Je parle surtout de ça parce qu'il y a des dames qui m'ont contacté en semaine et elles m'ont dit, Dacise, est-ce que par rapport au business des mèches que tu proposes, des montres et tous les produits que tu proposes, on aimerait bien entrer en partenariat avec toi, mais on n'a pas d'argent. C'est la raison pour laquelle cela a attiré mon attention et j'ai dit, vous ne pouvez pas accomplir de vision sans argent. Et quand je parle de vision, je suis au niveau des finances. Je suis au niveau de tes finances. Quel est l'objectif que tu t'es fixé en début d'année au niveau de tes finances? Tu as besoin de ça. Tu ne peux pas accomplir de vision financière, je précise bien financière, sans argent. Pour un début, tu as besoin de quoi pour commencer? Tu n'as pas besoin d'une grosse somme. Ce que je dis toujours aux gens, c'est que
Pour commencer, tu as besoin d'apprendre à épargner. Tu as besoin d'apprendre à épargner. Il y a des gens qui reçoivent des sommes d'argent chaque fin du mois, mais ne savent pas comment épargner. Tu ne peux pas avoir une vision que tu veux accomplir au niveau de tes finances et tu passes le temps à acheter les sacs Coco Chanel, les grosses marques Zara et tout comme tout le monde. Non. Si tu as une vision que tu veux accomplir, il y a des choses que tu dois faire pour toi à la fin de chaque mois. Ces choses commencent par l'épargne. Tu dois savoir que chaque fin du mois, tu dois épargner au moins 10% de ce que tu reçois. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné des parents qui m'ont appris cela au bas âge. Lorsque j'étais plus jeune, mon papa, il nous disait toujours que sachez que des jours arriveront où je n'aurai pas d'argent. Et qu'est-ce qu'on faisait? C'était une instruction ferme. Tu devais garder une somme. Je veux dire, lorsqu'il te donne de l'argent chaque jour ou chaque semaine, il y a une certaine somme que tu dois mettre de côté. Et des jours effectivement arrivaient où il te disait carrément que je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que tu as fait de l'argent que je te donnais? Et là, tu es obligé donc, parce que tu es coincé à ce moment-là, tu es obligé d'aller dans, on appelait ça les petites caisses, tu es obligé d'aller dans cette caisse-là pour prendre une petite quantité pour aller à l'école. Et si tu es parent, tu m'écoutes, c'est une éducation que tu dois enseigner à tes enfants. Bonjour Anaël, comment tu vas? C'est une éducation que tu dois enseigner à tes enfants. Les enfants ont besoin de connaître cela. Et j'ai grandi avec ça. Quand j'étais au collège, quand j'étais même à l'université, quand j'étais encore au pays, j'avais mes camarades qui me disaient, Dassis, tu aimes trop le business parce que quoi? Je savais qu'il fallait que je garde une somme d'argent de côté pour commencer quelque chose. Et lorsque j'ai eu un petit capital, j'ai commencé à acheter certaines choses pour revendre. C'est comme ça que ça commence. Tu n'as pas besoin des millions forcément pour commencer. Et les gens qui viennent vers moi pour le business, toutes les personnes qui viennent vers moi pour le business, je ne refoule pas tout le monde, je ne chasse pas tout le monde. Je donne l'opportunité que vous avez en travaillant avec moi, c'est que je donne l'opportunité à tout le monde de commencer. Je vous exige pas une grosse somme pour commencer. Il y a des gens qui peuvent commencer juste en prenant des boules pour trois têtes, c'est-à-dire, je vais dire 9 boules par exemple, ou 10 boules tout simplement. Il y a des gens qui peuvent commencer au petit niveau. Donc, j'ai compris que je ne vais pas bloquer ces personnes-là qui veulent s'engager dans le business. Je ne peux pas les bloquer parce que en commençant, on ne néglige pas les petits commencements. Il faut commencer quelque part. Donc, tu as besoin de mettre une somme de côté si tu veux commencer un business. Tu as besoin d'une somme d'argent, tu as besoin de quelque chose. La deuxième chose que tu dois savoir lorsque tu veux réaliser une vision au niveau de tes finances, la vision que tu t'es fixée en début d'année, voilà, nous sommes déjà carrément en fin juin. À quel niveau? J'ai fait un post sur Facebook dernièrement en demandant, nous sommes déjà le deuxième trimestre de l'année tire vers sa fin. À quel niveau est-ce que tu te trouves avec tes finances? À ce niveau, si tu dois déjà être capable de faire un bilan, après 6 mois, tu dois être capable de faire un bilan et de voir un progrès. S'il n'y a pas un progrès au niveau dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose que tu dois résoudre. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Tu dois être capable de faire un bilan et d'observer une croissance au niveau, dans ta vie tout entière, pas seulement au niveau de tes finances, et bien sûr précisément au niveau de tes finances parce que tu as besoin d'argent. Je veux travailler avec des personnes ambitieuses, des personnes qui ont ce rêve-là, un grand rêve au niveau de leurs finances à réaliser, des personnes qui sont engagées dans le business, comme certaines femmes avec lesquelles je travaille, certains hommes aussi. Et vous devez savoir que la somme d'argent que vous avez dans votre compte bancaire est étroitement liée aux produits ou aux services que vous mettez sur le marché.
Et les riches ont compris cela. Quand j'ai essayé d'étudier la vie de certaines personnes vraiment, vraiment sérieusement riches, j'ai compris que leur portefeuille, la grosseur de leur portefeuille, je veux dire, leur compte bancaire est étroitement lié aux produits qu'ils mettent sur le marché, aux services qu'ils proposent. Quel est le produit? Nous sommes en 2018. Quel est le produit que tu mets sur le marché? Quel est le service que tu proposes aux gens? Il y a des gens qui sont sur Facebook. Là, Facebook vous sert juste je vais dire ça comment, de distraction ou bien quoi. Qu'est-ce que tu fais sur Facebook chaque jour? Quel est le service que tu proposes aux gens? Quel est le produit que tu proposes en 2018, en juin 2018? Tu es sur Facebook seulement pour liker les publications des gens, les photos des gens, les vidéos. Tu es sur Facebook pour juste te balader. Qu'est-ce que tu fais sur Facebook? Facebook donne l'opportunité à toutes les personnes qui y sont de vendre. Facebook me permet particulièrement de me faire de l'argent, d'avoir des entrées chaque fin du mois. C'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux juste pour me balader. Et tu as besoin de connaître des choses comme ça. Tu as besoin. Bonjour Lamzi, bonjour Amel, j'espère que vous allez bien. Donc si vous êtes là, partagez la vidéo et invitez vos amis à se connecter à cette vidéo, à ce live. Donc vous avez besoin de connaître des choses comme ça. Vous n'êtes pas sur Facebook seulement pour vous balader. Et j'ai besoin des personnes qui sont ambitieuses, qui ont des projets, qui ont une vision à réaliser. Les riches ont compris cela. Les riches ont compris cela. Ils savent qu'ils doivent multiplier leurs produits. Dernièrement, j'ai lu un livre que je vous recommande. Je vous recommande sérieusement, The Richest Man in Babylon. Comment on dit ça en français? L'homme le plus riche de Babylone, je crois, un truc comme ça. C'est un livre hyper riche dont vous devez, si vous n'avez pas encore lu ce livre-là, vous devez aller le lire. Vous devez aller le lire. The Richest Man in Babylon. Vous devez aller le lire. C'est un livre hyper, hyper puissant. En 2018, tu ne dois plus être là sur les réseaux sociaux à liker. Tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent. Et vous devez savoir que le pauvre, lui, le riche, pendant qu'il cherche à multiplier ses produits et ses services, le pauvre est là juste pour consommer. Tu n'es qu'un consommateur. Est-ce que tu es venu sur cette terre juste pour consommer? Tu es venu sur cette terre pour laisser ton empreinte. Moi, personnellement, je ne veux pas partir sans avoir laissé mon empreinte. Tu es venu laisser ton empreinte. Tu es sur cette terre pour impacter ta génération. Tu ne dois pas être là juste comme follower. Tu ne dois pas suivre les gens. Non. Tu ne dois plus faire ça. Si tu faisais ça à partir d'aujourd'hui, sache que c'est fini. Tu mets un point là-dessus et tu te concentres sur tes objectifs. Parce qu'il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire, je vous assure. Il y a des journées où je me dis carrément que 24 heures ne suffisent pas pour une journée. Sérieusement, 24 heures ne suffisent pas pour une journée. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement à accomplir, il y a des gens à suivre, il y a des formations que tu dois faire, il y a des gens que tu dois entraîner, il y a tellement à faire. Tu as tes propres projets, tu as ta famille à gérer, tu as tout cela. Comment est-ce que tu fais ça? 24 heures ne suffisent pas. Donc, si tu es là seulement sur Facebook pour écouter les gens, pour follow les gens, pour liker les photos et les vidéos des gens, sache que tu perds énormément. Tu perds énormément. Et lorsque les gens passent le temps à travailler, passent les nuits blanches. Lorsque vous voyez des personnes qui évoluent, sachez qu'elles ont passé des nuits blanches. C'est du sacrifice. C'est du sacrifice. Et demain, comme les gens savent souvent beaucoup parler, on va dire que son succès n'est pas simple.
On va dire que son succès n'est pas simple. Alors, tu dois savoir que tu es responsable de ta vie. J'ai vraiment tenu à faire ce live parce que j'ai fait beaucoup de remarques autour de moi, beaucoup de gens, je reçois beaucoup d'emails, je reçois beaucoup de messages en inbox. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai pas besoin de parler de la vie privée des gens ici, mais je constate que ça ne va pas. On a besoin de travailler. Et je suis là pour ça. Je suis là pour motiver les jeunes, femmes et hommes. Je ne travaille pas seulement avec les femmes. C'est vrai que j'ai beaucoup de femmes avec lesquelles je travaille, mais je travaille aussi avec les hommes. On a besoin de travailler. Tu es responsable de ta vie. Ce que tu deviens, ce que tu fais de ta vie, c'est ta responsabilité. Tout entière, c'est ta responsabilité. Tu es responsable de ton destin. C'est à toi de voir si tu veux rester dans la catégorie des consommateurs, comme j'ai dit tout à l'heure, ou tu veux marcher dans la cour des producteurs. C'est à toi de voir à quel niveau est-ce que tu aimerais aller. Je dis souvent aux gens de raise your standard. Raise your standard. Il faut élever le niveau. À quel niveau tu dois essayer de te propulser toi-même pour voir où est-ce que tu peux arriver. Et tout cela passe par le travail. Ça passe par le sacrifice. Ça passe par la discipline. Oui. Ça passe par ton environnement. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que tu es la somme des, je crois, 6 personnes ou 10 personnes qui t'entourent. Quelles sont les personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps? Les personnes avec qui nous passons le plus de temps sont ces personnes-là qui influencent à 80% notre vie. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis aujourd'hui. Les personnes avec lesquelles vous passez le temps sont les personnes qui influencent votre vie. Parfois, vous passez le temps avec certaines personnes et vous vous retrouvez par moment, lorsque vous n'êtes plus avec ces personnes-là, vous prononcez leurs paroles, vous faites leurs gestes, vous faites des choses que ces personnes-là font sans vous en rendre compte parce que elles ont influencé votre vie. Elles ont influencé vos actes et tout et tout. Que ce soit positivement ou négativement. Ces personnes influencent vos vies. Donc, vous devez faire très attention avec les personnes avec lesquelles vous passez le temps. C'est très, très important. Alors, lorsque tu as des objectifs, lorsque tu sais ce que tu veux, lorsque tu sais où tu vas, tu sais que tu as des priorités. C'est le quatrième point que je veux mentionner. Tu as des priorités dans ta vie. Il y a des choses que tu fais, que tu mets en priorité. Tu ne fais plus des choses parce qu'il faut faire. Je vois des femmes qui se permettent encore en 2018 d'acheter des sacs qui coûtent 1000 euros, des chaussures, on appelle ça comment là? Les escarpins, on n'appelle plus trop comment on appelle ça. Des Louboutins qui coûtent 1000 euros, 1500 euros. Avec cet argent-là, est-ce que tu sais que c'est un capital que tu peux utiliser pour commencer un business? C'est un capital. Quand tu prends cet argent-là, et tu prends même cet argent, tu mets sur les vêtements, tu mets dans, et tu vas les plaquer dans ta garde-robe que tu ne portes même jamais. Donc, tu veux seulement acheter et poser. On ne refuse pas qu'il faut s'habiller. Moi qui vous parle, je suis une fan de l'habillement, je suis une fan de la mode, mais je sais comment je fais. Tu ne te permets plus en 2018 d'acheter des Louboutins de 1500 euros, de 2000 euros parce que tu veux le tu m'as vu. Il y a des gens comme ça. Est-ce que vous m'avez vu? Est-ce que vous savez que j'ai porté la Louboutin de 1500 euros aujourd'hui? Est-ce que vous savez que la montre que je porte là, c'est 5000 euros? On ne veut plus de ça. On veut des gens qui posent leur portefeuille comme ça et on voit, et on confirme, comme on dit au Cameroun chez nous. On veut des gens qui marchent dans un supermarché. Est-ce que vous savez que lorsque tu marches dans un supermarché et que tu sais
que tu as de l'argent sur toi, que tu achètes ou que tu n'achètes pas, tu as une certaine confiance. Et c'est ça que je veux développer chez les gens avec lesquels je travaille. Je veux que vous soyez capables de créer des rivières financières. Je veux que vous soyez capables de développer des systèmes, de mettre des produits et des services sur le marché qui vont vous permettre d'avoir des entrées d'argent. Je veux plus que les femmes passent le temps à commander. Je veux plus que les jeunes passent le temps à faire du désordre là-dehors ou à voler ou à faire des choses parce qu'ils manquent d'argent. Je veux que tu sois capable de faire des choses qui vont te permettre d'avoir des entrées chaque fin du mois, voire même chaque jour. Je veux des gens comme ça. Le business des mèches que je propose, beaucoup de gens aujourd'hui, j'aide des gens à travers le monde aujourd'hui à se faire de l'argent parce qu'ils travaillent avec une personne de confiance, ils travaillent avec une personne qu'ils connaissent, qu'ils aiment et qu'ils apprécient. Même si on ne s'est pas encore vu physiquement, mais c'est cela. Ils travaillent avec, parce qu'ils savent que j'ai une entreprise. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé mon entreprise en Angleterre et en Chine. Donc, j'ai fait enregistrer mes entreprises en Angleterre et en Chine. Et je suis en Chine, mon entreprise est enregistrée dans l'une des villes les plus célèbres en Chine, en Shanghai. Je ne m'en vante pas, mais c'est juste pour dire que c'est une question de vision. Où est-ce que tu veux arriver? Il y a 3 ans, je n'étais pas à ce niveau, mais j'avais une vision. J'avais un rêve. Je planifie où je veux aller. Et lorsque tu travailles dans ce sens-là, tu sais où tu mets ton pied. Tu sais avec qui tu marches. Tu sais comment tu gères ton temps. Tu sais ce que tu fais et tu sais même ce que tu manges. Lorsque tu as une vision à accomplir, même avec ton alimentation, tu ne joues pas. Tu ne joues pas avec ce que tu manges, ce qui entre dans ton organisme, ce qui entre dans ta bouche, tu ne blagues pas avec. On voit encore des gens aujourd'hui en 2018 en train de manger le couscous sauce gombo à 23 heures. Tu vas où avec ça? Tu vas où avec ça? On voit des gens en train de charger. Tu es là à 25 ans, tu manges encore, c'est-à-dire que les protéines animales comme une personne qui n'a jamais mangé les viandes ou le lait depuis son enfance. Lorsque tu as un rêve à réaliser, tu contrôles tout jusqu'à l'alimentation. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Je parle de ça avec les personnes qui travaillent avec moi. Je ne vais pas entrer. Il y a des choses qu'on dit aux gens qui payent le prix. Oui. Tu dois savoir qu'il y a des choses que. Il y a des, tu dois payer le prix pour certaines choses. Lorsque tu sais où tu veux arriver, tu sais que tu dois payer le prix. Tu dois te former. Tu dois avoir de la connaissance. Tu dois payer le prix de la lecture. Tu dois payer le prix des formations. Oui, tu as besoin de ça. Et vous devez savoir que chaque 3 mois, le système se renouvelle. Donc, si après 3 mois, tu ne t'es pas formé, tes informations sont erronées. Donc, tu dois payer le prix de la formation. Tu dois payer le prix de l'information. Tu dois avoir de la connaissance. Et ce n'est pas avec, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas avec le sommeil qu'on réalise les visions. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un, juste en passant comme ça, dis-moi un peu, tu dors combien d'heures par jour? La personne m'a dit, je me couche à 20 heures, je me réveille le lendemain à 7 heures. Ah bon? I mean, seriously? On fait encore ça en 2018? J'ai certains amis là qui m'écrivent tout le temps et me disent, D'Assise, va dormir. Pas plus tard qu'avant-hier même. Va dormir. Toi, on ne sait pas à quelle heure tu dors, mais parce que tu travailles. Il n'y a pas le temps pour le sommeil. Parfois, tu es en train de travailler comme ça, tu es tellement absorbé par le travail que tu fais, tu ne vois pas le temps passer.
C'est là que tu comprends que tu es passionné par ce que tu fais. Là, tu ne fais plus par obligation, tu ne fais plus parce que quelqu'un t'a demandé, mais tu fais par passion. Et le rêve que je veux réaliser, c'est de voir les jeunes se lancer dans des activités qui génèrent des revenus à la fin de chaque semaine. On n'est même plus à la fin de chaque mois parce qu'il n'y a pas le temps d'attendre. Je veux des jeunes qui se lancent dans des activités qui génèrent des revenus chaque semaine. Et des revenus à plus de 6 chiffres. Oui, c'est possible. Je dis bien que c'est possible. Si vous abandonnez le sommeil, vous abandonnez la paresse, vous abandonnez les faux chats que vous faites sur WhatsApp qui ne vous apportent rien. Des gens sont dans 1 000 groupes. On ne sait pas ce que vous faites dans 1 000 groupes. La vie des autres ne vous intéresse pas. Vous avez votre vie déjà qui vous dépasse. Essayez de la gérer. Si vous parvenez à bien manager votre vie, vous feriez la différence. Et sachez que le sacrifice, on fait des sacrifices même au niveau de l'amitié. On ne se fait plus des amis aujourd'hui juste pour faire. On ne fait plus les amitiés juste pour faire. Il y a ce qu'on appelle les amis de destinée. Il y a ce qu'on appelle des amis de vision. Et les gens qui se permettent encore de faire des amis, de se faire des amitiés aujourd'hui par émotion, sachez que vous ne pouvez pas aller loin avec ces amitiés-là. Tu dois être capable d'avoir des amis qui t'apportent de la valeur et à qui tu apportes aussi de la valeur. Si les gens avec qui tu marches ne t'apportent pas de la valeur, tu perds ton temps. On ne va pas dire que tu es égoïste. C'est vrai que les gens qui ne comprennent pas où tu veux aller vont dire que tu es égoïste. Et c'est clair, au niveau, il y aura un niveau de compréhension, au niveau de, il y aura un problème au niveau de la mentalité. C'est pour ça que je dis qu'il y a souvent, il y a certaines personnes qui ont un problème de pauvreté mentale. Tu ne comprends pas où l'autre est en train de vouloir aller, mais tu critiques. Donc, tu dois savoir qu'il y a des sacrifices que tu dois faire même au niveau de tes amitiés. Si tu te permets encore de te faire des amitiés par émotion, si tu te permets encore de te faire des amis juste par plaisir, sache que tu ne peux pas aller loin dans ton business. Premièrement, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas accomplir ta vision. Parce que si tu vas par exemple dire à ton ami que voilà, il faut que je garde telle somme d'argent, tu me demandes d'aller en boîte ce week-end, je ne vais pas parce que il faut que je fasse ceci, j'ai un projet. Il ou elle ne va pas te comprendre parce que ce n'est pas dans son langage. Ce n'est pas dans sa vision. Ce n'est pas dans son objectif. Donc, tu as besoin de connaître des choses comme ça. Je vous prie de partager cette vidéo parce que je suis sûre qu'il y a des personnes là-dehors qui ont besoin d'entendre cet enseignement. Il y a des personnes là et d'inviter vos amis à nous écouter, à suivre cet enseignement avec nous. C'est très important. Et la prochaine chose, le prochain point que je vais souligner ici, c'est lorsque tu sais que tu as une vision au niveau de tes finances à accomplir, tu penses à ton avenir, tu penses à l'avenir de ta famille, tu penses à l'avenir de tes enfants. Dans quelle école est-ce que tu aimerais voir tes enfants fréquenter? Oui, tu n'as pas besoin d'être marié pour te poser ce genre de questions. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir un enfant pour te poser ce genre de questions. Que tu sois homme ou femme, quelle est l'éducation que tu souhaiterais que ton enfant ait? Dans quelle école tu aimerais que ton enfant se trouve? Est-ce que tu veux que ton enfant fréquente dans les élobies, comme on dit chez nous? Tu as besoin que ton enfant soit dans des écoles reconnues, des écoles qui leur apportent de la valeur, qui leur donnent des enseignements qui vont les aider. Et pour cela, tu as besoin de travailler dur pour ta génération. Ce n'est pas en dormant, ce n'est pas
en côtoyant les personnes qui ne t'apportent rien. Non. J'ai certains amis chinois ici qui sont très jeunes, mais quand ils te parlent de leur projet, quand ils te parlent de ce qu'ils sont en train de réaliser, mais tu mets les mains sur la tête, tu te demandes si tu ne comprends pas, si tu n'as pas, si tu n'as pas eu cet enseignement-là, tu ne vas pas comprendre. Je vois, j'ai des amis chinois ici. Quelqu'un a 18 ans, 19 ans, il est véhiculé, c'est sa propre voiture avec son propre argent. Ce n'est pas l'argent de ses parents. Et on veut arriver à ce niveau-là où tu es capable de t'acheter quelque chose et en étant fier de ce que tu as fait. Tu as besoin de penser à l'avenir de tes enfants et pour cela, tu as besoin de travailler. Et ce n'est pas seulement avec ton salaire que tu accomplis ta vision. Écoute très bien ce que je vais te dire. Ce n'est pas seulement avec ton salaire que tu reçois chaque mois que tu accomplis ta vision. Ni avec le salaire de ton mari, ni avec l'argent que tes parents te donnent. Tu as besoin des entrées supplémentaires pour accomplir ta vision. Oui, tu as besoin des entrées supplémentaires. Si tu veux par exemple que ton enfant, si tu veux par exemple que ton enfant fréquente dans les plus, à Fustel, je vais prendre juste un exemple, tu ne vas pas t'arrêter à ton salaire. Ton salaire ne suffit pas. Ton salaire te permet juste de manger et de te vêtir. Ce qui va te permettre d'aider ton enfant à aller dans les grandes écoles, ce sont les entrées supplémentaires que tu as à côté. Ce sont les produits que tu as mis sur le marché. Ce sont les services que tu proposes aux gens. Ce sont les services que tu proposes aux gens. Si tu ne fais pas ça, comment est-ce que tes enfants, quelle est l'éducation que tu vas donner à tes enfants? Et lorsque je dis que tu es responsable de ta vie, c'est toi, tu seras la seule à porter la honte quand ton enfant va te demander quelque chose dont tu ne seras pas capable de lui offrir. Ton enfant va te dire, maman ou papa, je veux ceci. Tu n'es pas capable de lui donner ça. Et c'est toi qui portes la honte parce que tu as eu le temps de travailler, mais tu n'as pas travaillé. Donc, tant que tu as encore la force, l'énergie, bonjour Marie-Thérèse, tant que tu as encore la force et l'énergie de faire quelque chose, bats-toi, fais-le. Le travail fait mal. Il y a des moments où je m'arrête, je me demande pourquoi est-ce que je fais tout ce que je fais? Pourquoi est-ce que je continue d'être sur les réseaux sociaux? Il y a un moment, j'ai quitté Facebook carrément, j'ai quitté tous les réseaux sociaux, mais je me suis dit, j'ai une vision à accomplir. Et Facebook peut m'aider. Et sans vous mentir, Facebook m'aide sérieusement. C'est grâce à Facebook que je parviens à me faire, je peux me faire des entrées à la fin du mois à travers les produits que je propose. Il y a une dame qui m'a écrit dernièrement, elle me dit, tu es très jeune pour faire, pour l'entrepreneuriat. Je lui dis, ah bon, je suis jeune. Carrément. Elle m'écrit juste pour me dire qu'elle pense que je suis trop jeune pour l'entrepreneuriat. Est-ce que tu sais ce que j'ai déjà accompli dans ma vie? Tu sais à quel niveau je suis, tu sais où je veux aller, tu ne connais pas ma vision. Mais tu te permets juste de, tu te permets de parler, d'entrer dans la vie privée des gens sans leur demander. Vous devez savoir que chacun a son rêve qu'il veut réaliser. Et tant que mon objectif n'est pas atteint, tant que je n'ai pas réalisé mon rêve, tant que je n'ai pas réalisé ma vision, tant que je n'ai pas le résultat que je veux, je ne vais pas me fatiguer de parler. Je parle, je veux vous, parce que je veux des jeunes qui se mettent au travail. Je veux des jeunes qui mettent des produits et des services sur le marché. Je vais vous dire quelque chose, vous savez, la richesse est juste comme un arbre. Est-ce que je peux me répéter? La richesse est comme un arbre. Et pour voir cet arbre-là, grand comme le baobab, tu dois semer. Tu dois semer une graine.
Tant que tu n'as pas semé une graine, tu ne verras cet arbre que dans tes rêves. Peut-être même pas. Tu as besoin de semer une graine. Et lorsque tu sèmes cette graine-là, tu as besoin de temps. Tu as besoin de l'arroser chaque jour. Tu as besoin de l'arroser et tu as besoin de temps pour qu'elle grandisse. On ne devient pas riche du jour au lendemain. On ne voit pas le baobab juste apparaître du jour au lendemain. Ça a pris du temps pour grandir. Ça a demandé de la persévérance. Tu n'arroses pas ta graine, elle va sécher. Elle va sécher. Donc tu as besoin de ça. J'ai besoin des gens qui pensent à devenir puissamment, je veux dire, qui pensent à devenir économiquement puissants. On a besoin des gens comme ça parce qu'il y a tellement de projets à réaliser. Et je parle surtout aux femmes parce qu'on dit que la femme doit rester à la cuisine. Arrêtez-moi ces histoires-là. Tu as besoin de travailler. Lève-toi et travaille. Quitte la cuisine-là. Lève-toi et fais quelque chose. Et pour accomplir ta vision au niveau de tes finances, tu as besoin de commencer avec ce que tu as. Il y a des gens que Dieu a bénis avec des talents vraiment inexplicables. Il y a des gens qui te font de la cuisine comme ça, vraiment, quand tu goûtes, tu penses que tu es au paradis. Il y a des gens qui savent te coudre, qui te montent une pièce comme ça, tu regardes tellement c'est beau, c'est bien fait. Toutes les finitions sont parfaites. Mais qui dorment, qui sont couchés sur leur lit avec tous ces talents-là. Il y a des gens qui n'ont même pas appris à coiffer. Je dis à faire des tresses. Mais lorsqu'elle te frappe une tête comme une tête de Rasta, par exemple, tu te demandes comment est-ce qu'elle fait ça. Et en un laps de temps. Alors, pour accomplir ta vision, tu as besoin d'argent, mais tu as aussi besoin de commencer avec ce que tu as. Lorsque tu commences avec ce que tu as, si par exemple tu sais faire de la cuisine, tu sais faire à manger aux gens, tu sais coudre, tu sais coiffer, tu sais rendre service, quel que soit le service, lorsque tu as quelque chose que tu peux offrir, lorsque tu as un produit ou un service ou un talent, tu commences par ce que tu as. Et lorsque tu sais que tu as un talent, tu mets un prix dessus, je vous en supplie. On ne fait plus le gratuit aujourd'hui. Non, il n'y a plus de ça. Il n'y a plus. Arrêtez ça. Vous allez dire que Dacis aime trop l'argent. Oui. J'aime l'argent parce que sans argent dans ce monde, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Donc lorsque tu sais que tu as un talent, tu prends ce talent-là, tu professionnalises ce talent et tu me mets un prix dessus. C'est ce que je te demande. Tu mets un prix dessus. Et lorsque tu mets un prix dessus, tu améliores ton service. Et quand ton service est bien fait, je t'assure que les gens vont quitter Bafoussam, les gens vont quitter la Côte d'Ivoire pour te chercher parce qu'on sait que ton service est bien, ton service est propre, ton service est classe. Oui, lorsque tu sais que tu as un talent, tu mets un prix dessus. Vous croyez que les gens qui ont créé les Zara, les Coco Chanel, les ceci, toutes les marques que vous portez aujourd'hui, ça a commencé quelque part. Tu ne vas pas me dire que tu fais la coiffure ou bien, je vais dire ça comment, tu ne vas pas me dire que tu fais la couture aujourd'hui, mais tu fais encore au niveau zéro là. Qui va te voir? Non. Tu as besoin de professionnaliser ton talent et mettre un prix dessus et améliorer ton service. Lorsque tu fais ça, on va te chercher. On va te chercher. Aujourd'hui, j'ai pu mettre sur pied mon entreprise dans deux pays différents, la Chine et l'Angleterre. J'ai créé toute une marque, la marque d'Assise Lisson, et mes produits sont portés à travers le monde entier. Ça ne peut que faire
grand plaisir lorsque tu te lèves un matin et puis tu te rends compte que les gens portent ton nom à travers le monde entier. Ça fait plaisir. Tu as besoin de créer cela. Lorsque lorsqu'on m'appelle, on me dit oui, d'Assise Lisson, oui, est-ce que vous êtes d'Assise Lisson? Je dis oui, on a reçu vos produits et vraiment ils sont d'excellente qualité, comme vous avez souligné, des produits haut de gamme. Ça me donne de la fierté. Et cette fierté-là, c'est à partir du travail. Tu ne peux obtenir cette fierté-là qu'à partir du travail. Si tu n'as pas travaillé, tu n'auras rien. Excusez-moi d'être direct avec vous, d'être un peu cru, mais je ne vous dis que la vérité. Certaines personnes ont besoin de cette chicotte-là. Tant que tu n'as pas travaillé, tu n'as pas droit au salaire. Et tu dois connaître ça. Oui. Cette dame qui m'a écrit pour me dire, parce qu'elle était choquée que comment est-ce que à mon âge, j'ai pu créer une marque, je fais tout ce que je fais, j'ai des entreprises que je gère, j'ai tout. Elle se demande comment est-ce que j'ai pu faire ça? L'Amzi dit, je suis au Maroc, je pense qu'un jour on va travailler ensemble. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez me contacter, on va travailler ensemble, il n'y a pas de problème. Et lorsque je travaille avec des personnes, je me rassure que on travaille d'abord au niveau de la mentalité. Parce que tant que tu es pauvre mentalement, lorsque tu es pauvre mentalement, tu seras pauvre financièrement. Ce n'est que de la réalité. Et ne pensez pas que il y a peut-être 5 ans, je pensais de cette façon-là. Non, c'est vrai que j'avais une vision que je voulais réaliser. J'ai des rêves que je veux accomplir. Je n'ai même encore rien fait de tout ce que je veux faire parce que la liste de ce que je veux accomplir est tellement grande. J'ai tellement de choses à faire parce que c'est pour ça que je n'ai pas le temps pour dormir. Je n'avais pas cette mentalité-là. Donc, lorsque vous venez pour travailler avec moi, sachez que vous aurez d'abord droit à une chicotte mentale. On va d'abord travailler le mental là. Parce qu'il y a des choses que tu dois d'abord changer. Il y a ta mentalité que tu dois changer. Il y a tes pensées que tu dois transformer. Tu dois arrêter de penser, je vais dire ça, oh, comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de faire les choses comme tout le monde. Il y a des gens qui disent, bon, d'Assise, oui, c'est vrai, tu proposes le business des mèches et tout et tout. Il y a des gens qui vendent déjà les mèches. Qui vous a dit, si je pensais qu'il y a déjà des gens qui font dans cela, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas créé ma marque. Je dis bien une marque qui est portée aujourd'hui à travers le monde entier, en Afrique, en Angleterre, aux États-Unis, partout. Partout, mes produits. Je ne m'en vante pas, c'est juste du travail. Et lorsque vous venez pour travailler avec moi, on bosse là-dessus. On bosse là-dessus. Donc, si tu n'es pas prêt à t'engager dans le travail, ne me contacte pas. Ne me contacte pas. Parce que je vais vite. Il n'y a pas le temps à perdre. Lorsque tu as une idée, tu mets cette idée en place, tu testes d'abord, ça ne donne pas, tu n'as pas le temps de savoir si les autres approuvent ton idée ou pas. Non, tu essayes, ça donne, ça ne donne pas, tu avances. Pendant que les autres sont encore en train de réfléchir est-ce que ça peut donner, est-ce que tu es déjà parti depuis? Tu es déjà parti. Tu es déjà parti. Et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui se moquent des commerçants. Ça me fait seulement rire. Est-ce que vous savez que Facebook que vous utilisez aujourd'hui, là, c'est un commerçant? Est-ce que vous savez que Amazon, chez qui vous achetez les produits, là, ce sont des commerçants? Le commerce ne peut que donner de l'argent. Celui qui ne se fait pas de l'argent à travers le commerce, c'est un mauvais commerçant.
Et lorsque tu travailles avec moi, je t'apprends à vendre. Je t'apprends à faire du commerce. Oui. Il n'y a pas que sur Facebook que je vends. Il y a des gens qui m'ont écrit dernièrement pour me dire, Dacis, tu as disparu de Facebook. Oui, j'ai disparu de Facebook pour un temps parce que je ne vends pas seulement sur Facebook. J'ai d'autres plateformes où je vends. J'ai d'autres angles, j'ai d'autres plateformes où je travaille. Il n'y a pas que Facebook. Il n'y a pas que Facebook. Donc, par moment, vous avez constaté que je disparais un peu de Facebook parce que Facebook n'est pas mon seul bureau. J'ai mes entreprises à gérer et j'ai d'autres plateformes où je forme des gens, où je vends mes produits. Il y a des gens qui vont me dire, Dacis, je suis un master en ceci, je master en cela, j'ai une licence en ceci. Arrêtez ça, ce sont des histoires. Moi qui vous parle, je suis un doctorat. Moi qui vous parle et je ne m'en vante pas. Mais je fais du commerce. Ce n'est pas mon doctorat qui me permet d'avoir de l'argent. Ce n'est non plus mon master que j'ai fait qui me donne de l'argent. C'est le commerce. J'ai rencontré un ami chinois dernièrement. Il me dit, est-ce que tu sais que tel appartement, ce sont mes appartements. J'ai dit, ah bon? Très jeune, hein? Véhiculez, s'il vous plaît. Il a une entreprise. C'est avec ce genre de personnes que tu as besoin de marcher. Il me dit que, est-ce que tu sais que telle chose, ce sont mes choses, ça m'appartient. Est-ce que tu sais que telle boutique qui se trouve à tel endroit, c'est ma boutique? Mais tu ne vas jamais le voir vendre à l'intérieur. Tu as besoin de construire ce système-là où tu emploies des gens. Tu n'as plus besoin d'être employé quelque part. Non. Je veux ces gens-là, ces jeunes qui se lèvent pour travailler et créer des emplois. Oui. Donc, sachez que tous les diplômes que vous avez là, ce ne sont pas ces diplômes-là qui vont vous donner de l'argent. Ce ne sont pas ces diplômes-là qui vont vous aider à envoyer vos enfants dans les meilleures écoles. Ce ne sont pas ces diplômes-là qui vont vous aider à construire les belles maisons que vous voulez construire. Ce ne sont pas ces diplômes-là. Ce sont les produits que vous allez mettre sur le marché. Ce sont des services que vous allez proposer aux gens qui vont vous propulser à ce niveau-là. Donc, si vous vous moquez encore des commerçants aujourd'hui, sachez que vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas encore compris le jeu. Vous n'avez pas encore compris le jeu. Donc, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je ne veux pas vous exposer tous mes diplômes ici, mais s'il faut parler de diplômes, j'en ai. J'en ai. Je fais du commerce, mais je suis biologiste. Je fais du commerce, mais je suis enseignante. Je fais du commerce, je suis en doctorat. Donc, laissez-moi ces histoires que le commerce, c'est pour les pauvres, là. Non. Les hommes les plus riches, vous ne savez pas où est-ce qu'ils mettent leur argent. Vous ne savez pas que les boutiques dans lesquelles vous faites les achats sont leurs boutiques. Donc, vraiment, je tenais vraiment à vous faire ce live-ci pour attirer votre attention sur un certain nombre de choses. Il n'y a plus de temps à perdre. Vraiment, il n'y a plus de temps à perdre. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas le droit au salaire, tout simplement. Et lorsque je parle de salaire, c'est la réalisation de ta vision. Tu ne travailles pas, tu ne vas pas réaliser ta vision. Et pour réaliser ta vision, tu ne peux pas réaliser cette vision-là sans argent. Alors, je veux pas que ce live soit très long. Pour les personnes qui vont m'écouter sur YouTube, vous allez écouter la vidéo juste en replay, il n'y a pas de souci. Mais je propose une formation. Quand je dis une formation, ce n'est pas forcément un cours, mais je veux travailler avec des gens vraiment qui sont engagés à se lancer dans du business. Je crois que j'ai déjà deux entreprises et je peux me permettre de parler de business à haute voix parce que je gère mes entreprises. Je fais des ventes, je fais des entrées. Donc,
Vous avez besoin de travailler avec des personnes comme ça. Et le business que je propose, effectivement, c'est le business des mèches. Je n'ai actuellement, j'ai écoulé tous mes échantillons que j'avais à la maison parce que je suis là et je suis en train de travailler dans le confort de ma maison. Donc, les échantillons que j'avais là, c'est parti il y a 2 jours. Donc, je crois que c'est en semaine prochaine, dans la semaine qui arrive, que je vais demander à avoir certains échantillons encore de l'usine pour ma maison, pour pouvoir vous les présenter. Donc, si vous êtes prêt à travailler avec moi, je vais vous apprendre comment est-ce que vous pouvez faire premièrement, parce que le numéro un, c'est d'abord au niveau de votre mentalité. On va d'abord changer la mentalité. Je ne vais pas donner les détails de la formation ici, mais si vous voulez travailler avec moi, je propose déjà les mèches de qualité originale. Et l'avantage que vous avez lorsque vous voulez travailler avec moi, c'est que je suis en Chine premièrement. Je suis en Chine et vous savez tous que la Chine, c'est la plaque tournante des affaires. Et je suis donc tombée, comme on dit, le poisson dans l'eau. Je suis un poisson dans l'eau. Donc, vous avez besoin de travailler avec moi. Beaucoup de personnes qui travaillent avec moi ont beaucoup d'avantages parce que les produits viennent directement de l'usine. Je travaille directement avec l'usine. Il y a des gens qui m'ont contacté et me disent, oui, Dassi, tu parles du business des mèches, mais est-ce que tu sais que les affaires qu'on dit, le business en ligne, là, il y a trop d'arnaques et tout. Effectivement, parce que vous ne connaissez pas les personnes avec qui vous voulez travailler. Vous ne les avez jamais vues. La différence avec moi, c'est que vous voyez, on parle de la marque Dassi, mais je suis, c'est une personne vivante, c'est moi en personne. C'est moi Dassi. Donc, vous avez besoin de travailler avec moi. Lorsque vous travaillez avec moi, je vous forme, je vous apprends des stratégies, comment est-ce que vous pouvez faire pour facilement écouler vos marchandises. Et la troisième chose, c'est que vous travaillez avec une entreprise légale. Il y a des gens qui travaillent avec des personnes qui n'ont jamais vu, et du coup, lorsque tu envoies ton argent, tu ne reçois jamais ta marchandise. Vous avez besoin de travailler avec moi, avec mon entreprise. Et j'ai une équipe hyper dynamique prête à vous servir. Et je travaille beaucoup plus avec les grossistes. Les grossistes, je veux travailler avec les grossistes parce que je ne refuse pas les gens qui viennent prendre en détail, mais je préfère beaucoup plus les grossistes parce que là, c'est du sérieux. Ce sont des personnes qui savent vraiment ce qu'elles veulent. Alors, des personnes, et au niveau de la qualité, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que la qualité est hyper bonne. Je porte moi-même mes produits. Lorsque vous vendez, lorsque vous proposez, lorsque vous voulez proposer un produit sur le marché, vous avez besoin de tester ces produits-là vous-même. C'est pour cela que moi-même, je porte mes produits, premièrement. Je porte mes produits et avant de faire la publicité. Il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont écrit en se plaignant que au niveau de l'arnaque qui se passe sur les réseaux sociaux en ligne et tout, les gens vendent les mèches de taille 20 et disent, les gens vendent les mèches de taille 20 et disent aux gens qui vendent les mèches de taille 26, je crois. L'avantage que vous avez en travaillant avec l'entreprise, avec mon entreprise, c'est que vous avez les tailles qui viennent directement de l'entreprise, de l'usine en fait. Et vous avez la possibilité de faire customiser vos produits à la commande. Ça veut dire quoi? Si par exemple tu veux la mèche de couleur violette ou bien jaune, c'est lorsque tu passes la commande qu'on commence la procédure pour la production de ta commande. Et ça se fait rapidement parce que c'est avec des machines qu'on travaille et tout, donc c'est rapide. Donc, vous avez un grand avantage en travaillant avec nous. C'est vous prenez vos produits directement à l'usine. Les tailles sont vraies. On ne vous vend pas la taille 20 en disant que c'est la taille 26. Les boules sont on dit ça comment en français là? Oh mon Dieu, l'anglais. Les tailles sont originales et
les boules sont originales en même temps. Donc, je vous invite vraiment à me laisser à toutes les personnes qui sont intéressées par ce business. Vous avez besoin. Et lorsque vous faites du business, vous devez savoir que vous faites le business pour aider les gens. Les femmes se coiffent tous les jours. Les femmes se rendent belles tous les jours. Donc, vous avez besoin d'aider les femmes vraiment à se rendre, à se faire belles tous les jours. Et moi, toute seule, je ne peux pas impacter tout un monde entier, non, avec les mèches. C'est pour ça que j'ai besoin de travailler avec des gens en partenariat. Donc, je propose un partenariat. Si vous êtes prêt à vous engager dans un partenariat sérieux et durable, vous pouvez me laisser un mail. Vous pouvez m'écrire à cette adresse email, partenariat. Assise Lilson. Je crois que c'est @gmail.com. Donc, vous me faites juste un mail à cette adresse-là et je vous répondrai dans les 30 minutes ou 1 heure qui vont suivre pour qu'on en parle, quoi. Donc, n'hésitez pas vraiment à me contacter. J'attends vos messages, j'attends vos messages, j'attends les personnes sérieuses avec lesquelles je vais travailler. Alors, le deuxième produit que je mets sur le marché, c'est cette montre intelligente. Cette montre est à ma marque, la marque d'Assise Lilson. C'est une montre intelligente. Cette montre est un bijou parce qu'à un moment, il n'y a pas longtemps, j'ai pris du poids. Et cette montre m'a aidé à perdre du poids dans ce sens que cette montre m'a aidé à contrôler le nombre de pas. Par exemple, quand j'allais faire du sport, des exercices physiques, je savais exactement quelle distance je devais parcourir à travers ce bijou. À travers cette montre, je savais le nombre de pas que je faisais. Et chaque jour, vraiment, lorsque j'ai pas cette montre, c'est cette montre que je mets lorsque je sors le matin. Je sais exactement quelle distance je parcours par jour. Donc, ce bijou vous aide à connaître la distance que vous parcourez par jour. Ce bijou vous aide à vous donner le nombre de pas que vous faites. Ça vous montre le nombre de calories que vous avez brûlées par jour. Et avec ce même bijou, vous pouvez régler votre réveil. Si vous êtes une personne qui ne sait pas se réveiller seule, vous ne parvenez pas à vous réveiller tout seul le matin, vous pouvez régler votre réveil avec ce bijou et il va sonner, il va vous réveiller. Avec ce même bijou, vous pouvez connaître votre nombre de battements, votre battement cardiaque à tout moment. C'est-à-dire que vous allez juste presser là et puis ça va vous donner votre battement cardiaque. Parce qu'il y a une lumière là, vous allez juste mettre au niveau du pouls et puis du poignet, et puis vous allez savoir exactement votre nombre de battements cardiaques. Avec cette même montre intelligente qui vous sert de casque Bluetooth, c'est-à-dire quoi? Voilà, la montre est là, mais je peux la démonter. C'est une montre démontable. Tu places à l'oreille, avec ce même produit, tu peux décrocher tes appels. C'est-à-dire, quand je suis en train de travailler, j'ai ce bijou à l'oreille. Je sais que lorsque je reçois un appel, j'ai pas besoin de mon téléphone. D'ailleurs, lorsque je suis en train de travailler, mon téléphone est très loin de moi parce que je veux pas de distraction. Donc, si j'attends un appel important, vraiment important, j'aurai mon casque à l'oreille, ma montre intelligente à l'oreille. Je l'aurai à l'oreille et puis dès que ça sonne, je vais décrocher. Je finis de passer mon message ou mon appel et je raccroche. Avec ce même appareil qui te sert de casque Bluetooth, tu peux écouter ta musique ou tes enseignements sans toutefois déranger ton voisin. Parce qu'il y a parfois, tu as des voisins qui mettent tellement la musique au point où tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas avoir la paix chez toi. Donc, avec ce casque Bluetooth, tu fais énormément de choses. Lorsque je suis à la cuisine et que j'ai besoin d'écouter un enseignement, je mets mon casque Bluetooth à l'oreille et j'écoute mon enseignement en toute sécurité, c'est-à-dire que dans le calme et la paix de ma maison, en faisant le ménage chez moi, en faisant de la cuisine,
j'ai cet appareil à l'oreille. Donc, vous avez besoin de cet appareil et ce n'est pas pour les enfants. Les gens qui doivent prendre cet appareil sont les personnes qui savent ce qu'elles veulent faire. On n'a pas cet appareil juste pour un jouet, pour servir de jouet, non. Donc, vous avez aussi besoin de cet appareil-là. Et actuellement, cet appareil est vendu en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Donc, si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez avoir cette montre. Si vous êtes en Europe, vous pouvez avoir cette montre. Si vous êtes en Afrique, vous pouvez avoir cette montre. Donc, si vous voulez connaître plus de détails, et nous proposons aussi des partenariats par rapport aux produits, à tous les produits que nous avons, que nous mettons sur le marché. Donc, si vous êtes intéressé par le partenariat, n'hésitez pas à m'écrire inbox ou bien à m'écrire, à me laisser un mail à partenariat.d'assiselilson@gmail.com, pardon. Et ce sera avec plaisir que je vous répondrai as soon as possible, comme on dit. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, mais sinon, je répondrai à vos messages et puis on se verra au live que je ferai très prochainement. Je vous remercie de votre attention. Passez une bonne soirée.